Une fois par an, d'Anton Tchekhov. Traduction, Denis Roche. La petite maison à trois fenêtres de la princesse a un air de fête. Elle semble rajeunie. On a soigneusement balayé tout autour, la porte cochère est ouverte. Les jalousies sont levées, les vitres des fenêtres récemment lavées jouent timidement avec les rayons du soleil printanier. À l'entrée de parade se tient le Suisse Marc, vieux et cassé, et vêtu d'une livrée manger des mites. Son menton piquant, que ses mains tremblantes ont passé toute la matinée à raser, ses bottes fraîchement cirées et ses boutons armoriés reflètent aussi le soleil. Marc n'a pas quitté en vain son réduit. C'est aujourd'hui le jour de fête de la princesse. Marc doit ouvrir la porte aux visiteurs et les annoncer. Dans l'antichambre, cela ne sent pas, comme d'ordinaire, le marc de café ni la soupe à l'huile. Cela sent une vague odeur de savon au jaune d'œuf. Les chambres sont soigneusement faites, les portières en place. La mousseline des tableaux est enlevée, les parquets, usés et rabotés, sont cirés. Yulka, la méchante chatte avec ses petits et les petits poulets, sont enfermés jusqu'au soir à la cuisine. La propriétaire de la maison aux trois fenêtres, vieille princesse voûtée et ridée, est assise dans un grand fauteuil et arrange continuellement les plis de sa robe de mousseline blanche. Seule une rose, piquée sur sa maigre poitrine, rappelle qu'il existe encore de la jeunesse en ce monde. La princesse attend les visiteurs qui vont venir la féliciter. Il doit venir le baron Tremble, avec son fils, le prince Kalakakadze, le page de cour Bourlasktov, le général Bitkov, cousin de la princesse, et beaucoup d'autres. Une vingtaine de personnes. Ils arriveront et empliront son salon de conversation. Le prince Kalakadze chantera quelque chose et le général Bitkov lui demandera 2 heures durant sa rose. La princesse sait se tenir avec ces gens-là. La dignité, la majesté et les bonnes manières paraîtront dans tous ses mouvements. Il viendra aussi les marchands Koutloukine et Pereoutloukov. Une plume et une feuille de papier est préparée pour ces messieurs. Chaque grillon son trou, qu'il signe et s'en aille. Midi. La princesse arrange sa robe et sa rose. Elle écoute si quelqu'un ne sonne pas. Une voiture passe avec bruit, s'arrête. 5 minutes s'écoulent. Ce n'est pas chez nous, pense la princesse. Oui, pas chez nous, princesse. L'histoire des années précédentes se renouvelle. Histoire sans merci. À 2 heures comme l'an passé, la princesse s'en va dans sa chambre, aspire de l'ammoniaque et pleure. Personne n'est venu. Personne. Le vieux Marc s'affaire auprès de la princesse. Il n'est pas moins peiné qu'elle. Les gens ont bien changé. Avant, ils s'entassaient comme des mouches dans le salon, et maintenant... Personne n'est venu, dit la princesse en pleurant. Ni le baron, ni le prince Kalakadze, ni Georges Bouvitsky. Ils m'ont abandonné. Et sans moi, que seraient-ils devenus? Ils me doivent leur bonheur, leur carrière, à moi seul. Sans moi, ils ne seraient rien. Rien du tout, madame, reconnaît Marc. Je ne demande pas de la reconnaissance, je n'en ai que faire. Je ne demande que du sentiment. Mon Dieu, que c'est offensant. Même Jean, mon neveu, n'est pas venu. Pourquoi n'est-il pas venu? Quel mal lui ai-je fait? J'ai payé tous ses billets, j'ai marié sa sœur Tania à un brave homme. Ce Jean me coûte cher. J'ai tenu la parole donnée à mon frère, son père. J'ai demandé pour lui, tu le sais. Et à leurs parents, on peut dire que votre excellence a tenu lieu de parents. Et voilà, voilà la reconnaissance. Quels gens ! À 3 heures, comme l'année précédente, la princesse a une crise de nerfs. Inquiet, Marc met son chapeau galonné, marchande longtemps avec un cocher, et se rend chez le neveu Jean. Par bonheur, les chambres meublées qu'habite le prince ne sont pas trop loin. Marc trouve le prince étendu sur son lit. Jean ne vient que de rentrer d'une beuverie de la veille. Sa figure carrée, fripée et rouge, son front couvert de sueur. Sa tête bourdonne, son estomac se révulse. Le prince serait heureux de dormir, mais il ne peut pas, il a des nausées. Ses yeux attristés sont fixés sur le lavabo, plein jusqu'aux morts d'immondices et d'eau savonneuse. Marc entre dans la chambre malpropre, se crispe, dégoûté, et s'approche doucement du lit. « C'est mal, Ivan Mikhailovitch, lui dit-il, secouant la tête avec reproche. « C'est mal !» Qu'est-ce qui est mal? Pourquoi n'êtes-vous pas venu aujourd'hui souhaiter la fête de votre tante? Est-ce bien? Va-t'en au diable, dit Jean sans détacher les yeux de l'eau savonneuse. N'est-ce pas offensant pour votre tante?
Votre Excellence n'a pas du tout de gentillesse. Pourquoi lui faire de la peine? Je ne fais pas de visite, dit celui-là. Cet usage a vieilli depuis longtemps. Nous n'avons pas le temps de courir. Courez si vous en avez le temps, et laissez-moi tranquille. Allons, file, je veux dormir. Je veux dormir. Vous détournez le visage. Vous avez honte de me regarder dans les yeux. Quoi? Tais-toi, rien qui vaille, pouilleux. Marc cligne longuement des yeux. Silence prolongé. Petit père, venez la féliciter, demande-t-il d'une voix douce. Elle pleure, se roule dans son petit lit. Ayez cette bonté, faites-lui ce plaisir. Venez, petit père. Je n'irai pas, c'est inutile, et je n'ai pas le temps. Et que ferai-je chez cette vieille fille? Venez, Excellence, faites-lui ce plaisir, faites-lui cette grâce. Elle est horriblement froissée, si l'on peut dire, de votre ingratitude et de votre manque de gentillesse. Marc passe sa manche sur ses yeux. Faites-lui cette grâce. Dit Jean, y aura-t-il du cognac? Il y en aura, petit père, votre Excellence. Bon, alors oui. Le prince cligne de l'œil. Et y aura-t-il 100 roubles? Demande-t-il. Ça, c'est tout à fait impossible. Vous savez vous-même, votre Excellence, que nous n'avons plus les capitaux d'autrefois. Les parents nous ont ruinés, Ivan Miliakovitch. Quand nous avions de l'argent, tous venaient. Et maintenant, que la volonté de Dieu soit faite. L'an passé, combien vous ai-je pris pour la visite? J'ai pris 200 roubles, et aujourd'hui il n'y en a pas 100. Tu plaisantes, corbeau. Farfouille chez la vieille, tu en trouveras. D'ailleurs, va-t'en, je veux dormir. Ayez cette générosité, votre Excellence. Elle est vieille, faible. Son âme tient à peine à son corps. Ayez pitié d'elle, Ivan Mikhaïlovitch, votre Excellence. Jean est impitoyable. Marc débat avec lui. À 5 heures, Jean cède. Il met son habit et va chez la princesse. « Ma tante, » dit-il en posant les lèvres sur sa main et s'engouant. Et assis sur le canapé, il recommence la conversation de l'an passé. « Marie Krichkine, ma tante, a reçu une lettre de Nice. Son mari, hein, quel homme! Il décrit en grand détail le duel qu'il a eu avec un Anglais à propos de je ne sais quelle chanteuse. J'ai oublié son nom. « Pas possible !» La princesse roule des yeux, lève les mains et, avec une surprise mêlée d'effroi, répète « Pas possible !»« Oui, ils se battent en duel, courent après les chanteuses, et ici sa femme se dessèche et périt à cause de lui. Je ne comprends pas des gens pareils, ma tante !» La princesse, heureuse, s'assied plus près de Jean et leur conversation continue. On sert le thé avec du cognac. Et pendant que la princesse, heureuse, écoute Jean et rit, ses phares s'étonnent. Le vieux Marc cherche dans ses malles et rassemble les billets de banque. Le prince Jean a fait une grande concession. Il n'y a qu'à lui payer que 50 roubles. Mais pour payer ces 50 roubles, il faut chercher dans plus d'une malle.